Eh bien, est-ce que le mélomane et le poète sont arrivés ensemble? Oui. Je pense que quand on aime la poésie, on aime la musique. Quand on aime la musique, on aime la poésie. De toute façon, les deux sont mariés depuis très longtemps. Et il fut un temps où on ne concevait pas de dire de la poésie sans la chanter. C'est l'époque de Guillaume de Machaut. C'est l'époque ensuite d'Eustache Deschamps qui dit « Non, moi je ne veux pas écrire de poésie, je ne veux pas mettre de musique sur la poésie, la musique des mots suffit à elle-même. » Donc vous voyez, le mélomane et le poète cheminent toujours de conserve et de concert et s'en vont pour le meilleur vers ce qu'il y a de plus beau. De façon plus générale, pour ce qui concerne les musicales, j'ai envie de parler de ce qui s'est passé ce matin à Saint-Péreux. À Saint-Péreux, ceux qui étaient là-bas ont eu la chance d'entendre un ensemble qui interprétait des airs associés aux fables de La Fontaine. Et pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que La Fontaine, je le considère comme certes un homme affable, n'est-ce pas, en deux mots. Et en un mot, certainement, il était affable, c'était quelqu'un de très sympathique. Quoique, lorsque les filles de Louis Racine en parlent, elles en parlent comme de quelqu'un d'un peu bourru, d'un peu mystérieux, enfin un peu silencieux, et qui ne s'éveillait que quand on parlait de latin, parce qu'il ne connaissait pas le grec. Il faisait traduire les textes en grec par Jean Racine, qui était de sa famille. Donc je m'éloigne un peu du sujet pour vous dire que pour moi, La Fontaine, c'est certes un auteur, mais c'est surtout un compositeur, parce que lorsque on lit La Fontaine, on tombe sous le charme de ce que justement Eustache Deschamps appelait la musique des mots. Les poèmes doivent se suffire à eux-mêmes, la musique des mots est suffisante, disait Eustache Deschamps, il y tenait. Pourquoi? Parce que La Fontaine, regardez par exemple, écoutez plutôt. Maître Renaud. Par l'odeur à l'échelle vitale d'à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes phénix des hôtes de ces bois. Il y a quelque chose d'élégant, de jubilatoire, de lumineux, et on trouve souvent chez La Fontaine ce que j'appelle un peu des enregistrements sonores. La musique des mots se compose donc de répétitions de sonorités, certes, mais aussi, je rappelle que Michel Tournier, l'auteur du Roi des Aunes, on lui avait posé cette question. Pour vous, quels sont les plus beaux vers de la langue française? Il avait répondu, je suis allé dans une université au Brésil et les étudiants m'ont posé cette question. J'aurais répondu, voilà. Pour moi, c'est dans un chemin montant, sablonneux, malaisé et de tous les côtés au soleil exposé, six forts chevaux tiraient un coche. Toute la salle avait éclaté de rire, a-t-il raconté. Et moi, je ne peux pas me retenir ainsi de sourire parce que je ne comprends pas toujours pas pourquoi ce qu'il trouvait de beau. Mais si on continue la fable, femme, moine, vieillard, tout était descendu, l'attelage suait, soufflait, était rendu. On commence à entendre les chevaux. Suait, soufflait, était rendu. Une mouche survient et des chevaux s'approchent, pique l'un, pique l'autre. On la voit qui va de cheval en cheval et pense à tout moment qu'elle fait aller la machine. Aussitôt que le char chemine, écoutez bien, char chemine, char chemine, char chemine. Quand vous répétez ça, vous entendez les roues ferrées qui sont dans le sable et le gravier. Aussitôt que le char chemine, et on a de ces enregistrements chez La Fontaine qui sont fabuleux. Fabuleux parce que quand on s'attache à écouter les fables de La Fontaine, on entend la musique des choses, on entend la musique des mots. Donc il y a une étroite association entre la musique et la poésie, beaucoup plus vaste que on ne l'imagine. Et cette association, on la retrouve de façon beaucoup plus spectaculaire chez Verlaine, chez Paul Verlaine. Ne serait-ce que dans le poème « Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur » et non pas bercent mon cœur, parce qu'il y a une hérésie, il y a une espèce de sacrilège qui a été fait par le fort sympathique Charles Trenet qui en 1939 a chanté « Berce mon cœur » parce que ça convenait bien à Trenet. « Blesse, lui pareil, c'est mon cœur, blesse mon cœur d'une langueur monotone, tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens, et je pleure, et je m'en vais de ça, de là, pareil, au vent qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. » Il y a une musique qui est beaucoup plus prononcée
encore dans « Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur ?» Lui, comme La Fontaine, c'est un compositeur. Musique et poésie sont étroitement liées. Alors évidemment, on peut se dire « Mais oui, mais la musique mise, la poésie mise en musique, il faut absolument qu'on retrouve ce mariage et qu'on soit capable de porter la poésie par la musique. » Alors évidemment, ça a été fait par Claude Debussy. Claude Debussy qui a mis les poèmes de Verlaine en musique. Alors moi je suis toujours un peu gêné parce que je considère qu'il n'y a pas de mariage possible entre l'émotion que provoque la poésie et l'émotion que provoque la musique. Ce sont deux émotions différentes, ne serait-ce que dans l'essence même de ce langage. Un poème, vous êtes obligé de le traduire et vous perdez 50-80% de son sens quand vous traduisez un poème. La musique n'a pas besoin de traduction. Elle est universelle. Donc il y a vraiment, sur le plan des émotions, une égale différence entre celle dont je viens de vous parler, entre la musique et la poésie. Alors évidemment, quand on écoute Claude Debussy, ce pentatonique, vous savez, c'est cette caractéristique, la gamme pentatonique qu'il utilise, moi me met mal à l'aise, elle me gâche le texte de Verlaine. Mais il y a des miracles. Il y a des miracles parce que Louis Aragon, que serais-je sans toi ? Heureux celui qui meurt d'aimer. Tous ces textes magnifiques de Louis Aragon ont été mis en musique par Jean Ferrat. Et ça, c'est quelque chose de rare. Je vous dis, c'est une sorte de miracle parce que, comme il y a des mariages heureux qui sont très rares, là on trouve un mariage extraordinairement sain, pur et beau entre la musique de Jean Ferrat et les textes de Louis Aragon. Splendide. Et il y a dans ces mariages-là, cette rareté où on retrouve, où l'émotion semble aller de pair, de conserve entre l'émotion de la poésie et l'émotion de la musique. Et ça me rappelle ce début de la traduction de la Genèse, hein, vous savez, très très maladroite d'ailleurs, souvent, parce que il y avait un vent de Dieu soufflé sur les eaux. Un vent de Dieu, c'est tellement ambigu que ça me gêne. Un souffle de Dieu soufflé sur les eaux. Bon, ça fait répétition. L'esprit de Dieu soufflé sur les eaux, c'est encore autre chose. Et je me rappelle Angelo Branduardi, vous savez, qui est un chanteur italien, qui est venu de la musique classique et qui a fait des choses extraordinaires en poésie. Il disait, il passait à l'Olympia, et je me rappelle qu'il avait dit, mais en fait, ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas le vent, ce sont les ondes. Nous sommes tous nés des ondes, et nous retournerons aux ondes, nous redeviendrons des ondes. Et ce sont ces ondes-là qui nous traversent, nous, en musique, qui nous traverse par l'intermédiaire de la poésie. Et c'est ce qui provoque l'émotion. Voilà la source de l'émotion. Ce sont ces ondes initiales, et tellement anciennes d'ailleurs, que j'aimerais parler aussi de René Guy Cadou. René Guy Cadou, tout le monde le connaît, bien sûr, ou du moins je le pense. Pourquoi tout le monde le connaît ? Parce que c'est mon poète préféré, qui est né en 1920 et mort en 1951, à 31 ans, qui a été associé à la musique par Véronique Vellade, qui est sociétaire de la Comédie Française, qui, elle aussi, juge Cadou comme le plus grand des poètes, vous voyez ? Donc elle a réussi le mariage entre la poésie et la musique. Et c'est une merveille. L'un des plus beaux vers de Cadou, c'est « Autant charmant des brumes douces ». Autant charmant des brumes douces. Des gibiers, des longs vols d'oiseaux, le vent souffle sous le préau, mais je tiens entre paume et pouce une rouge pomme à couteau. Il y a des merveilles. Ça chante. On n'a pas besoin de le chanter. Le chant est inclus dans la parole, dans la ligne de la phrase qui devient une ligne mélodique et mélodieuse. À quel poème ? Eh bien, moi, ça me reporte quand même à « Venez, esprit des marais », quelque chose qui m'a fasciné, bouleversé, que j'ai trouvé extraordinairement réussi, doublement d'ailleurs, parce que je crois qu'il n'avait quasiment pas répété l'année dernière, avec Adèle, qui a une voix extraordinaire. Thank you.
Et là, eh bien, je me suis dit, ça rejoint la poésie de Cadou. Et ça rejoint à ce poème que j'adore. J'ai toujours habité de grandes maisons tristes, appuyées à la nuit comme un haut vaisselier. Des gens s'y reposaient au hasard des voyages, et moi je m'arrêtais tremblant dans l'escalier, hésitant à chercher dans leur moindre bagage peut-être le secret de mon identité. Et ce secret, le secret de son identité tient au fait que géographiquement il était environné de marais, et qu'il y a ici à Redon aussi l'esprit des marais qui souffle. Et lorsque on parle de l'esprit des marais, on parle d'une matrice quasiment vierge, où tout est possible, où on peut tout construire, et c'est ce qui se passe dans nos, dans notre environnement. On a ce privilège justement, ce privilège de ne pas être dans un environnement urbain, construit, avec de l'histoire à chaque coin de rue. On a ici une espèce de liberté de la pensée, de liberté de création, et cette, le musical, moi, ça me fait penser justement à cette, ce rayonnement qui caractérise cette manifestation, et puis aussi la grande variété de musiques qui sont proposées. Des musiques qui viennent de tous les horizons, et qui sont d'une très grande qualité. Hier soir, c'était extraordinaire avec le pianiste Paul Lay, c'était l'avant-veille aussi. Enfin, tout pour moi me transporte, et je trouve que toute la poésie du monde se trouve dans les musicales.